Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un retour de cours spécial rentrée. Ça y est, on reprend les bonnes habitudes. Donc je n'ai pas fait de grandes courses depuis que je suis revenue de vacances. C'était un peu n'importe quoi en fait. J'allais de temps en temps au Lidl, à Courage, acheter un petit sac de courses de 80 € et je revenais et puis il me manquait toujours quelque chose au frigo et dans le placard. Donc là j'ai fait une bonne réserve de courses entre guillemets. C'est les courses de la semaine, en espérant que je pourrai vous proposer pas mal de recettes grâce à tout ça, grâce à toutes ces bonnes choses qui sont là à droite à gauche. Vous savez qu'avec les prix qu'ils ont augmenté, l'inflation, l'augmentation des prix, on se retrouve avec des courses très très chères. Fut un temps je faisais des courses pour 130 € max je crois, j'arrivais facilement à 100 €. Là j'ai eu pour 200 €, alors que d'habitude quand je fais ces courses là, franchement j'ai franchement 50%, 40% du prix qui a élevé, j'ai l'impression. Mais bon, et on le ressent de toute façon dans les fruits et les légumes, je vous dirai. Donc je suis passée chez Grand Frais et au Lidl. J'avais pas envie de me déplacer, de dépenser de l'essence pour aller en Allemagne aussi, parce que là-bas aussi ça a énormément augmenté. Du coup voilà, on est resté à côté et on a fait nos courses. On commence tout de suite par Grand Frais parce que c'est celui où j'ai le moins de choses. J'ai pris tout ce qui est légumes, j'ai dit je m'arrête sur tout ce qui est légumes, fruits, légumes, etc. là-bas. Et puis tout le reste je vais le faire tout simplement. Et puis je me suis dit tout le reste je vais le faire tout simplement au Lidl. Voilà, donc voilà, j'ai pris tout ce qui était courgettes, carottes, j'avais plein de recettes à faire et j'arrivais pas à avoir le temps parce que, ou l'occasion de le faire parce que j'avais pas les ingrédients qu'il me fallait. J'ai pris des pommes de terre aussi, j'ai pris vraiment tout ce qu'il me fallait pour faire des bons petits plats à la maison. J'ai pris des épinards parce que ce soir c'est lasagne d'épinards au saumon. J'ai pris de la menthe pour pouvoir refaire du thé comme au bled, comme au pays. Hein. J'ai pris des oignons, j'ai repris un bon stock parce que franchement, pareil, je n'avais plus rien. Et les oignons qui restaient, ben, ils ont tous tourné, ils étaient tous pourris. Donc voilà, petit stock d'oignons. Ensuite j'ai pris des poivrons aussi, un petit stock de poivrons. J'ai hâte, dans le menu j'ai prévu plein de recettes. J'ai pris ce mélange de kufta depuis le temps que je voulais le prendre, il est chez Grand Frais et apparemment il est très très bon et je le range tout de suite avec le reste des épices. J'ai pris de la coriandre, des kiwis jaunes parce que j'adore les kiwis jaunes le matin. Le citron, du melon, vraiment tout ce qu'il faut, franchement ça m'a fait du bien de reprendre toutes ces courses là. J'ai pris du cachère pour les sandwichs quand j'ai pas le temps d'en faire pour ma fille qui est à l'école et qui mange à l'extérieur. Ensuite j'ai pris des tomates, j'ai pris du poivron vert. J'ai pris des oignons nouveaux, des pommes, des bananes. Voilà, pommes, bananes et oignons. Voilà, on va les mettre là. On va mettre tout ça là. Une salade, jus de citron. J'ai besoin souvent de ce genre de jus de citron pour les recettes et j'en ai pas, alors je me suis dit bon je vais en acheter parce que des fois le citron ça part très vite déjà de base et voilà. Et j'ai acheté ce petit mélange, je sais que mes enfants adorent grignoter ça des fois devant la télé de temps en temps ou quand vous avez des invités, vous savez pas trop quoi poser, ben vous avez tout simplement ça qui est à 4 € la petite boîte et franchement c'est super bon. Maintenant on passe tout de suite au retour de Lidl, je vous montre tout de suite ce que j'ai pris. Donc j'ai pris ces mini gâches, en fait je trouve que pour les brioches, mes enfants aiment bien les brioches tartinées. J'ai acheté du amelot, ils aiment bien aussi avec le amelot. Et souvent les brioches, vous savez en tranche ça se, ça se,
ça s'écrase vite, c'est pas top et tout. Et les gâches sont bien protégées par un petit paquet comme ça. Et c'est assez moelleux, bien épais. Du coup, en attendant d'en faire maison, parce que je compte vous faire plein de recettes, dont des brioches, et ben j'ai acheté ça. J'ai acheté ça aussi pour les goûter pour mes enfants. Ils ont déjà goûté, ils aiment beaucoup. C'est une petite nouveauté chez Lidl. C'est mon petit panda goût choco, vous savez, c'est comme les oursons. Les petits oursons qu'on trouve en magasin. Et voilà, ils sont pas mal aussi. Ils aiment bien les enfants, c'est des petites choses comme ça qu'ils aiment bien. J'ai pris du saumon qui coûte un bras, ça coûte hyper cher. Donc c'est pour faire la lasagne au saumon. Et d'ailleurs j'ai pris du saumon, j'ai acheté ça, deux croques saumon pour moi le midi, à manger le midi. Et d'ailleurs j'ai pris du saumon au grand frais, je sais pas où je l'ai mis. J'ai pris des pâtes parce que pareil, il n'y avait plus rien dans le stock de réserve. J'ai pris de la crème fraîche, comme ceci pour les recettes, et du maïs pour les salades. Vous connaissez comme d'habitude. J'ai pris de la mozzarella comme ça, je vous la conseille, ce bâtonnet de mozzarella. C'est pratique, et surtout quand vous faites des recettes de pizza, quand vous faites les pizzas chez vous et tout. Cette mozzarella est magnifique. Elle est super bonne. J'ai pris du thon. J'ai fait un petit stock de thon, il y en a 4. J'ai pris du fromage kiri comme ça. Doux crémeux comme ceci. J'ai pris de la sauce, de la crème tartare pour les recettes. Du parmesan, comme ça pour les salades aussi. Ça c'est trop bon quand vous ajoutez dans vos salades. Donc comme j'ai dit, le thon. Les macaronis. Les yaourts. C'est comme du yop ça, c'est des yaourts à boire. Et c'est pour les desserts pour les enfants. Et toujours le thon. Et voilà, je savais que je vais pas tomber. J'ai pris ce potimarron comme ça. Voilà. Ça c'est top pour les soupes et tout. Cet automne, c'est une tuerie. Je vous ai pris du saumon comme ça, comme je vous ai dit, ça c'est pour la recette d'aujourd'hui. Et du coup j'ai pris roquette et mélange de jeunes pousses pour les petites salades. Les roquettes c'est top quand vous mettez au moins sur les pâtes, les spaghettis, à la sauce tomate, quand vous mettez sur des pizzas, sur des quiches. Ça, c'est à la fin de cuisson quand vous posez pour tout le monde, vous parsemez de petites feuilles de pousses, de roquettes. C'est une tuerie, c'est trop trop bon. Et en plus ça fait un peu de déco sur... J'ai pris deux packs de œufs frais, parce que ça aussi il m'en fallait énormément. J'ai pris des gnocchis XXL. En ce moment ils mettent beaucoup des produits XXL chez Lidl, du coup j'en ai pris. J'aimerais bien faire un genre de plat comme je faisais à l'époque, à base de crème fraîche et tout. Apparemment c'est trop... Enfin apparemment, je le faisais à l'époque où c'était super bon. C'est ma soeur qui m'avait appris ces recettes quand j'étais jeune. J'ai pris, il y avait des petites promos sur ce genre de gâteau bio pour les enfants, du coup j'en ai profité, j'en ai pris deux. Un acheté, c'était le deuxième à moitié prix. J'ai pris le sel comme ça, je préfère quand il est dans une boîte comme ça. C'est plus pratique pour saler, et c'est le fleur de sel de l'île de Ré. C'est les sels que je vous recommande le plus à acheter, et non pas l'autre sel. Ensuite, j'ai pris des petits crunchies de temps en temps. Pour les enfants s'ils en veulent. J'ai pris du beurre pour les faire les gâteaux. J'ai pris le carré comme ça, le fromage, mon mari aime bien ce genre de fromage. J'ai pris aussi ce beurre de cuisine pâtisserie. Est-ce que tu peux y aller? Va-t'en, va-t'en. Je vais apprécier. Non, non. Mais pourquoi? J'ai pris tout ça de fromage râpé. J'en ai marre d'acheter des petits paquets. Vous allez voir, en plus j'ai acheté d'autres fromages râpés d'une autre saveur. J'ai pris ça 100 grammes, ça coûte dans les alentours de entre 3 et 4 euros. Franchement j'en ai marre d'aller retourner juste pour du fromage râpé. Du coup j'ai acheté un bon stock. J'ai pris du Babybel pour les enfants, pareil, à acheter le deuxième à moitié prix.
J'ai pris le brie, ça aussi mon mari l'aime bien. Le matin, au petit-déj et tout. J'ai pris, oui, au petit-déj, le fromage. Chez nous, on mange du fromage le matin. J'ai pris du crémeux comme ça. Et j'ai pris de la compote aussi, c'est ça. C'est aussi pour les enfants, pour les tartines. De la compote toujours. Du fromage râpé mozzarella. Je vous ai dit, j'ai fait le stop parce que je sais que je vais faire une soirée pizza. J'ai acheté aussi celui-ci, donc comme je vous ai dit, celui-ci, ce fromage râpé comté, je l'utilise surtout pour les quiches. Il est super bon sur les quiches celui-ci, il est fondant, il brûle pas trop et tout, donc je vous conseille. Pour le petit minou, je vais acheter des petites sucreries, c'est alissage. J'ai acheté ça pour les enfants, pour le goûter du 4h, c'est léger, c'est pas trop lourd. J'ai pris ça parce que ma fille elle me dit souvent, j'aime bien ceux-là, tu peux pas les acheter. Les napolitains, et du coup je lui dis bah pourquoi pas, je te les prends. Moi j'aime, je suis pas trop fan de ce gâteau, je trouve qu'il manque un peu de saveur, mais elle aime trop ce genre de gâteau. Ensuite j'ai pris des lasagnes comme ça, des feuilles de la lasagne fraîche, comme ça je peux les faire là tout de suite avec la recette de ce soir. J'ai pris comme je vous ai dit, les promotions des gâteaux bio de la marque Bjorg. J'ai pris en tartelette aussi. D'ailleurs j'ai pris plein d'autres tartelettes. J'ai pris des spaghettis parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de recettes à base de spaghettis. Et je sais que ils adorent quand c'est plus les spaghettis que les pâtes normales. Donc deuxième sac de Babybel. Et les olives, j'adore ces olives. Vous savez pourquoi? Quand je fais les tagines, ils sont super bons. Ils sont pas trop salés. Et ils font sortir vraiment un tagine comme au Maroc. Ils sont vraiment bien. Je vous le recommande celui-ci. En plus, ils sont pas trop chers. Et en général, j'utilise souvent ceux-là. Et puis, j'ai pris ça pour les sandwichs. Tout simplement. Encore dernier sac à vous présenter. Du coup, pain de mie comme d'habitude pour le matin et non pas pour les sandwichs. Des céréales, pareil les enfants, maman achète nous les céréales carrées avec du chocolat dedans, donc je leur ai pris. J'ai pris beaucoup de goûter de toute façon, il y a tellement de promos dessus chez Lidl en ce moment que j'en ai profité. C'est surtout pour qu'ils emmènent à l'école, qu'ils prennent avec eux, etc. Voilà, j'ai pris aussi... encore cela, les mini pépites. J'ai pris des tartelettes à la fraise parce que j'ai un de mes fils qui aime bien ceux à la fraise. J'ai pris du Pepsi, donc il est en promo. J'ai pris toujours du Yop, cette fois à la vanille. J'ai pris un pack de vanille, un pack de fraises. Et j'ai pris du tomate comme ça pour les sauces tomates. Je vais préparer mes sauces tomates maison. Et j'ai pris des jus d'orange comme ça pour le matin. J'aime bien ceux-là, ils sont pas très... Vous savez, des fois les jus d'orange ils sont acides et tout. Et celui-ci, le nectar d'orange est super doux. C'est à base de concentré. Je le trouve doux, j'aime bien. Il est vraiment très très doux. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour les cours, je pense que c'est tout bon. Je vous ai tout montré. J'ai pris aussi une litière de chien, hein, je ne vous la montre pas. C'est la Colchida, vous savez, la blanche. Et voilà, normalement c'est tout. Donc là, ce que je vais faire, ranger mon frigo parce que pareil, c'est une catastrophe. Il faut que je le nettoie. Et oui, j'ai pris un pack de lait aussi, obligatoire, parce que sinon je me retrouve vite sans lait. Et voilà, c'est tout. Donc du coup, voilà pour ce retour de course. Il est un peu speed parce qu'on est la rentrée, premier jour d'école. Je vous avoue que j'ai speedé. J'ai un peu de migraine là et je dois encore préparer à manger. Et je suis hyper hyper fatiguée vraiment parce que je me suis levée très tôt et c'était compliqué pour l'organisation. Donc le retour de course est un peu speed. J'espère vous proposer d'autres retours de course beaucoup plus moins speed, plus fluide, etc. Donc voilà pour le retour de course et voilà ce que j'ai pris. J'avoue que j'ai pris pas mal de choses, je vous avoue que c'est un peu cher. Je l'ai ressenti dans mon porte-monnaie, mais j'ai refait le stock et j'espère que ça tiendra et que j'aurai pas besoin de retourner. J'espère retourner dans 10 jours par exemple, genre ça me suffit. Si j'ai fait mes courses, au moins 10 jours ça tient. Et j'ai pris du surgelé, j'ai oublié, il faut que je vous montre. Et voilà, en surgelé, j'ai pris du riz solé.
Parce qu'en fait, je vous fais le retour de course, j'ai dû chercher les enfants et tout, il fallait à tout prix que je mette tout ça au frais. Bref, petite parenthèse, j'ai pris des petits pois, des haricots et des potatoes. Il n'y avait plus de frites, je ne sais pas ce qui se passe au Lidl, dites-moi vous, mais je ne trouve plus de frites. Voilà, donc il faudra faire peut-être maison. Voilà, voilà, donc je pense qu'il faudra peut-être faire des frites maison, je sais pas, mais dites-moi si vous vous en retrouvez. Sur ce, je vais aller me prendre un médicament, je pense, et ensuite je vous retrouve. Bon, bref, je vais vous laisser là, je pense que vous avez vu ce retour de course, vous me dites vos retours à vous. Est-ce que vous aussi vous êtes comme moi, vous avez fait les grandes courses après les vacances que maintenant? Est-ce que c'était hyper cher, ce que vous avez pensé, etc. Faudrait que je refasse en Allemagne, voir si c'est différent et vous faire un retour aussi. Je vous avoue, j'étais partie quand même en Allemagne. Si, quand je suis revenue, mais tellement j'avais plus l'habitude de faire les courses lambda. J'avais acheté tout et n'importe quoi, c'était pas des vraies courses pour moi. Du coup là, quand j'ai des fruits, des légumes, j'ai tout, là pour moi c'est des vraies courses. Mais quand j'achète que des conneries, j'estime pas que c'est des vraies courses. Voilà pour la petite parenthèse, je dévie complètement, je crois que c'est la migraine qui me fait ça. Sur ce, vous me dites si cette vidéo vous aura plu. Je crois que vous allez me voir un petit peu bancal parce que je crois que le trépied s'est un peu penché. Voilà, bref, on arrête la parenthèse. Sur ce, je vais vous laisser là, je vais vous faire de gros bisous. Et comme d'habitude...